Salut les moussaillons. Bonjour capitaine. Bonjour mademoiselle Vanny. Alors lors du dernier épisode, nous étions sortis de l'Osterskelde par l'écluse pour aller où mademoiselle Vanny? En mer du Nord capitaine. Absolument, on a fait le grand tour par la mer du Nord, on a rejoint... Lescaut mon capitaine. Et nous avons finalement amarré notre petit voilier au port de Vlissingen. Pour un repos bien mérité, n'est-ce pas mademoiselle Vanny? Et donc, les amis, ceci est une préparation au passage du canal de Panama dans quelques années. Ah ouais. D'accord, ça fait une... Bon, ok, c'est un modèle réduit. Ça doit être le même. Mais non, ma chérie, pas le canal de Panama, le canal de Middelburg, qui va nous permettre de rejoindre évidemment Middelburg et ensuite... le Verse-mer, où nous pourrons à nouveau voguer en mer intérieure et rejoindre notre port d'attache. Allez, on y va, c'est parti! Mais je fais caméraman et tout ici. Et voilà, là apparemment il y a quelque chose qui s'appelle, je crois, le Blue Wave qui survient plusieurs fois par jour pour la traversée. Et en fait, qui nous permet de faire la traversée de toutes les écluses qui vont nous mener à Middelburg en une heure. Donc plutôt que de devoir passer une écluse, attendre l'ouverture de l'autre, elle s'ouvre vraiment de façon consécutive, l'une derrière l'autre, de telle sorte qu'on fasse cette traversée en une heure. Donc on va voir si on y arrive. Un petit message du haut du mât de Mahalo. Il y a le capitaine qui s'amuse à me faire tanguer. Là, c'est pas très très cool. Arrête, capitaine, t'es vilain. Capitaine, arrête. Voilà. Donc, je suis montée en tête de mât parce que on avait un petit bout qui avait lâché. Et donc, voilà, c'est des choses qui doivent se faire aussi. Pour moi, c'est une grande première, donc voilà, je suis très très contente de l'avoir faite. Mais là, je vous le dis pas, les moussaillons, je suis super contente de redescendre. Middelburg ce matin. Voilà, on attendait l'ouverture du pont. Je pense que vous pouvez la voir, l'observer. Très joli pont à l'ancienne, avec un jeune homme ou une jeune dame, ça dépend des jours, qui viennent nous l'ouvrir presque à la main. Voilà, on a attendu parce qu'il y avait donc des jeunes mariés qui faisaient une photo sur le pont. Enfin, des photos, c'était très joli. En tout cas, si vous venez naviguer dans la région du Verse-mer, de l'Osterskelde, etc. Bye, have a nice trip. Bye bye, friends. Voilà, on dit au revoir à des gens qu'on a rencontrés hier. Ben, je vous conseille quand même vivement de venir visiter Middelburg, qui est absolument fantastique. Et le jeudi, il y a un magnifique marché dont vous pourriez profiter. C'est vraiment très très chouette. Voilà, nous, on a passé deux journées fabuleuses ici et franchement, on s'est reposé et on en avait bien besoin. Je fais un peu de gymnastique en même temps.
fais attention que mon capitaine ne me foute pas à la flotte. Bon, capitaine, c'est quoi le programme du jour? Dis-moi un peu. Le programme du jour, on termine le franchissement du canal entre l'Escaut et le Versemer. Il nous reste une écluse à passer. Et puis après, on va au Haringvreter. On a perdu le capitaine. Il y a des rameurs. Petite île sur ponton où on va la couler douce une bonne partie de l'après-midi, toute la nuit et peut-être encore une partie demain. La matinée, on va quitter demain. Larguer et repousser devant. Cet endroit absolument magnifique avec beaucoup de regrets, hein, capitaine. On y passerait bien encore une journée. Hein. Oui, mais on va y revenir incessamment sous peu, donc pas de soucis, on n'est pas très loin. Et pourquoi est-ce qu'on se force à partir aujourd'hui, capitaine? On se force, n'exagérons rien. Mais on resterait bien encore un petit peu là, sauf que le Captain Blue Band joue ce soir près de Bruxelles à Limlet. Concert au bord de l'eau aussi d'ailleurs, pour l'ouverture d'un nouveau bar. Et donc le Captain Blue Band, son capitaine et tout le band, les musicos Joe, Jack et Manu, vont faire la fête au Barbuzon. Et la brésilienne choriste brésilienne d'ailleurs. Et notre choriste brésilienne Manu, mais voilà. Donc ce soir rock'n'roll et là pour le moment, peace and love au Harry Clayton.
comble, j'ai cherché. Cherchez mon vieux blue jean. Entre la chambre et le palier, j'ai retrouvé mon vieux blue jean. Oui. Le long du Versemer, on est à quelques encablures de Kortrijk, de la Delta Marina. Voilà, avec un petit mouillage, une jolie plage. Parfait, la prochaine fois. Là, on est arrivé à pied, une longue marche. Et puis la prochaine fois, on sait qu'on peut mettre le mahalo au ponton ici et profiter de la plage. On est dimanche soir, on verra peut-être que ce soir, quand tout le monde sera parti, nous on viendra. Allez. Voilà, ben ça s'appelle le Kortrijk Badstrand. Et là en haut du pont, c'est le capitaine Ludo. Salut capitaine. Alors le petit pont que vous voyez là, il est juste à côté du parc de Kreek, donc on a fait une énorme balade. Tout autour du parc de Kreek, elle est fléchée, donc vous savez la trouver facilement. Le petit pont qu'elle a derrière, pour information, nous on l'a déjà monté à vélo. J'ai eu du mal à arriver au bout quand même, je ne vais pas vous le dire. Bon, je vais rejoindre le capitaine et pendant ce temps, je vous fais profiter du paysage. Voilà. C'est pas mal par ici. Pas mal, hein, capitaine. Voilà. Bon. Fin du séjour plus ou moins, mais on a pris une belle journée de farniente au soleil aujourd'hui, mais tu travailles un petit peu, qu'est-ce que tu fais? Explique-nous. Je travaille un petit peu le bout des bouts, avec un petit fil, parce que là, c'est filoche, ouais, le terme. Et donc, je l'ai rebrûlé, et puis pour éviter qu'il s'effiloche encore, eh bien, on va faire des petits ronds, retravailler tout ça, et puis voilà. Oula. Ok, ben voilà. Je suis parti. La voile, c'est ça aussi, c'est s'occuper de son bateau. Voilà. Alors nous, on vous fait plein de bisous. On vous souhaite de belles navigations. Et comme je vous le dis toujours, les amis, si vous êtes en mer, eh ben c'est tant mieux. Et si vous n'êtes plus en mer, eh bien, vous pourriez aller, franchement, lapin, lapin, lapin. Il a failli cette semaine, je vous dis pas. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, salut les amis, à tout bientôt et bon vent. Qu'est-ce que tu fais, capitaine? J'enlève le drapeau du capitaine. Bah, pourquoi t'enlèves le drapeau du capitaine? Parce qu'on s'en va. Moi j'ai envie de rester à bord encore. Bon bah écoute, moi il n'y a aucun problème. On prend le large, cap 270 ou 270 pour nos amis belges, plein ouest. On part demain? Vers la Guadeloupe? Ouais, Guadeloupe, Martinique, tout ce que tu veux. Oui, j'aimerais bien, mais pour le moment c'est pas possible parce que tu sais, moi demain je bosse et je voudrais pas te déprimer, mais toi aussi. Je suis pas au courant, mais il faut qu'on y aille hein, parce que je pense qu'on a plus de rhum donc. Oui, mais enfin dans 270 degrés plein par là, on en trouve du rhum. Ah bah oui, justement, c'est pour ça que.